Et ben salut à tous, c'est l'expert que ça forme, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5. Aujourd'hui vidéo assez rapide. Premièrement pour vous montrer ma nouvelle voiture, la Bugatti Chiron, Bugatti Veyron Super Sport que j'ai débloqué il y a très peu de temps, que j'ai eu gratuitement du coup. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo que je vais tourner juste après comment avoir cette voiture gratuitement et plein d'autres d'ailleurs. Donc je vais vous montrer comment avoir des voitures super intéressantes gratuitement. Donc voilà, si vous voulez l'avoir, normalement elle devrait être sortie. Et si jamais elle devrait pas tarder à sortir, donc voilà, petite vidéo que je vous tease un petit peu en avance. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Je vous fais une vidéo assez brève pour vous expliquer tout simplement qu'il y a eu une mise à jour sur Forza Horizon 5 qui est sortie hier. Donc autour du 31 janvier et 1er février, qui va tout simplement patcher le petit glitch entre guillemets, enfin l'astuce plutôt, sur les Porsche Cayman GTS du coup, avec les Super Wheel Spin qui étaient à 14 points de prouesse et les Porsche qui étaient à 80 000 crédits. Du coup on pouvait farm les Super Wheel Spin très très facilement. Je vous avais fait une vidéo dessus qui avait d'ailleurs bien marché, franchement merci pour les retours que j'ai eu dessus, franchement c'était incroyable. Si jamais d'ailleurs vous êtes nouveau, n'hésitez pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, ça me ferait super plaisir. Et du coup voilà, j'ai eu pas mal de petits commentaires assez récemment pour me dire que ça avait été patch et que ça marchait pas. Effectivement ça a été patch dans la nuit ou je sais pas quand, en tout cas j'ai pas vu en tout cas personnellement, et c'est un abonné qui me l'a dit. Donc voilà, merci à vous de me l'avoir fait savoir. Donc voilà, juste pour vous dire que du coup ça ne marche pas et qu'il ne faut du coup plus acheter les Porsche Cayman GTS simplement parce que ça ne marche pas. Je vais faire le test encore tout de suite devant vous pour vous montrer que ça ne marche plus malheureusement. Alors pour ça il fallait tout simplement dans les collections de voitures, ensuite il fallait chercher dans les Porsche qui sont tout en bas, les voilà. Ensuite il fallait prendre, d'accord ça a bugué, très bien. Donc il fallait dans les Porsche, il fallait prendre la Cayman GTS de 2015, donc celle-ci. Je vais du coup l'acheter devant vous, voir si ça marche. J'ai aussi une autre voiture à essayer. Et effectivement aucune des deux Pontiac ne fonctionne, elles ont été patch elles aussi. Ça c'est vraiment dommage. Donc les deux Pontiac, il y en avait une des deux qui marchait, il me semble que c'était la rouge celle-ci, qui avait également le Super Wheel Spin. Je vais également aller checker rapidement la Porsche Cayman GTS. Mais effectivement je pense que les deux voitures ont été patch, étant donné que c'était vraiment très très fort. On pouvait vraiment facilement avoir des Super Wheel Spin. Donc là on va aller rapidement dans les maîtrises de voiture. Et effectivement c'était ici, voilà, il fallait prendre. Là il y avait une super, enfin il y avait une Wheel Spin, et là il y avait une Super Wheel Spin. Ça a été remplacé par les scores de prouesse catapulte et des points Forza ton. C'est vraiment dommage parce que c'était vraiment une super technique pour avoir des voitures facilement. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est comme ça. On peut pas y faire grand chose malheureusement, donc on va essayer de trouver des nouvelles techniques pour avoir des super wheel spin le plus facilement possible. En tout cas je vais tâcher de retrouver rapidement quelque chose à vous proposer pour continuer à avoir des wheel spin facilement et pour pouvoir progresser rapidement sur le jeu. J'ai gagné cette voiture d'ailleurs récemment au passage, la petite Bentley, comme ça fait super plaisir. Et puis en tout cas voilà, je vais essayer de vous tenir au courant le plus rapidement possible. En tout cas moi du coup je vais pouvoir vous laisser là dessus c'était juste une petite vidéo très rapide pour vous montrer que malheureusement ça a été patché, que ça ne marche pas et qu'il ne faut du coup pas continuer à acheter ces voitures là. Et puis voilà, du coup moi je vais vous laisser là dessus je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Alex, ciao pour un de vous, à la prochaine.